Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier. Je suis rentrée chez mes parents il y a 2 jours, puisqu'hier j'étais en train de réorganiser mes bibliothèques comme vous l'avez vu. En fait, j'ai tout répertorié dans une liste sur Goodreads. Il y en a que je compte sans les compter réellement, étant donné qu'il y a des classiques, il y a des livres plus ou moins d'études. Il y a de très vieux livres que je compte pas lire tout de suite. Donc en soi, on va dire que c'est noté 200 livres, mais que réellement, il y en a un peu moins que je compte lire. Ceci étant, je viens pas nécessairement pour vous parler de ça. Je viens pour vous parler un petit peu de ce que je suis en train de lire. Dans mon dernier vlog, j'hésitais entre plusieurs livres, notamment le Léa Salamé et le Joseph Pontus. J'ai eu énormément de mal à me décider et je voulais replonger aussi dans la littérature classique. Je n'ai pas choisi l'un de ces deux livres, mais j'ai entamé Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors dans ce livre, on va suivre l'héroïne qui est donc Jane Eyre. On la découvre lorsqu'elle a 8-9 ans et elle est très maltraitée par une femme qui est considérée comme sa tante qui s'appelle Mrs. Reed. Du jour au lendemain, elle va arriver dans un pensionnat où elle va être élevée jusqu'à ses 18 ans. Et ensuite, elle va partir pour devenir institutrice auprès d'une jeune fille. Là, je suis à 120 pages, 130 pages. J'adore la manière dont c'est écrit. J'aime le côté très bucolique qu'il y a des descriptions de paysages. J'aime la manière dont ce livre parle de littérature. Les post-it que j'ai mis sont uniquement destinés aux mentions d'œuvres et à l'amour de la littérature. Je vais d'ailleurs vous lire le dernier extrait que j'ai noté. Donc là, elle parle de l'une de ses amies à l'intérieur du pensionnat et d'une des personnes qui s'occupent des enfants. Elles parlèrent de livres, combien elles en avaient lu, quels trésors de connaissances elles possédaient. Les noms, les auteurs français leur semblaient très familiers. Mais mon étonnement fut à son comble lorsque Miss Temple demanda à Hélène si elle trouvait parfois un instant pour se remémorer le latin que son père lui avait enseigné. Elle prit alors un livre sur un rayon et lui dit de lire et traduire une page de Virgile. Hélène obéit. À chaque ligne, mon admiration croissait. À peine avait-elle terminé que la cloche sonna l'heure du coucher. Il fallait partir sans délai. C'est de tout petits paragraphes où il y a des mentions très brèves de littérature. C'est toute la beauté en quelques pages. Et j'apprécie énormément ce que je lis. Tout à l'heure, Snodza va faire un Read With Me à 14h. Là, il est 13h30 environ. Donc possible que je les rejoigne. Cependant, j'ai pas mal de mails à envoyer aujourd'hui. J'ai des coups de fil à passer. Et j'ai du travail à faire, tout simplement. Donc je sais pas si je resterai tout le long. Mais j'aimerais bien avancer et arriver à la page 150 minimum ce soir. Sinon, au niveau lecture, je suis à 36 pistes de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel sur 41. Donc, d'ici demain ou après-demain, je l'aurai terminé. C'est toujours aussi appréciable et j'adore la construction des personnages dans ce bouquin et les relations qu'il y a entre eux de façon à montrer la manière de penser états-unienne, notamment à la fin du XXe siècle. C'est tellement intelligent, tellement bien fait. On parle vraiment des problématiques sociales au sein des États-Unis, au cœur de cette Amérique reculée, et c'est quelque chose que je trouve très très bien décrit et très très bien fait, avec toute la violence qui peut y régner. C'est absolument brillant. Voilà pour ce qui en est de mes lectures, je crois. J'ai pas trop avancé mon écoute de À la croisée des mondes, tome 3, puisqu'il était sur Nextory et que pendant quelques jours, il y a eu un problème avec l'application. Ça m'était que j'avais utilisé tout mon temps
possible sur l'application, or ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, c'est une problématique qui a été résolue, mais je n'ai pas repris depuis. Hier, comme vous l'avez vu dans un plan précédent, normalement, j'ai reçu Everything I Know About Love, mais il sera pour après la vidéo sur les TCA que j'ai commencé à scripter, soit dit en passant. Là, j'attends encore un livre afin de me lancer dans mon corpus à ce sujet. Avant de vous quitter, je vais juste vous faire 2-3 recommandations de choses que j'ai écoutées et que j'ai pu regarder hier et aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai écouté un podcast de Emma, de la chaîne La Bouquinade sur YouTube, qui a un podcast qui s'appelle La Potinade. Elle a donc fait un calendrier de l'Avent de podcasts, et tout à l'heure, j'en ai écouté un que j'ai trouvé très très instructif. Même pour moi qui lis pas de la romance, j'ai trouvé ça très intelligent et très intelligible. Quant à ce qu'il disait avec l'invité en question, c'est l'épisode 19. C'est donc la limitation d'âge en littérature avec Mika, qui est donc libraire dans le 17e et qui expliquait sa manière de penser, la façon d'amener la romance aux jeunes. Et j'ai trouvé ça vraiment brillant, très instructif et vraiment hyper plaisant à entendre de la part d'un professionnel du livre et notamment dans la vente. Donc je vous conseille très grandement d'aller écouter déjà son podcast en règle générale et cet épisode en particulier. Il y a quelques jours, avant de quitter Paris, j'ai regardé la vidéo de Lucette que j'ai adorée. C'est son dernier vlog qui fait environ 40 minutes et ça m'a fait énormément de bien de la retrouver. Ça me fait très plaisir qu'elle reprenne mes vidéos. J'ai vu bien d'autres vidéos, mais pour ce que j'ai vu dernièrement et que je peux vous mentionner, comme ça, il y a la dernière vidéo de Solène qui est donc ses meilleures et pires lectures de 2023. Il y a plusieurs livres sur lesquels je la rejoins, notamment Babel évidemment et Hamnet, parce que Hamnet pour le coup je l'ai abandonné et je l'ai revendu. Et puis allez, dernière vidéo que je vous cite, les 12 lectures pour 2024 de Anna. Journal d'Anna. C'est vraiment une puce cette fille. J'adore ses vidéos et elle est vraiment adorable en plus de ça, donc je vous conseille d'aller la regarder si vous ne la suivez pas déjà. Voilà, j'ai regardé bien d'autres vidéos, mais ce sont 3 vidéos que j'ai envie de vous conseiller. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui et de ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais aller travailler et puis je vous reprendrai d'ici quelques temps. Je vous retrouve, on est le jeudi 25 janvier. J'aimerais vous dire que ça va, mais ça serait vous mentir étant donné que je viens de terminer l'été où tout a fondu. Je vous le disais avant, mais dans ce livre que j'ai écouté, on suit un garçon qui vit au fond des États-Unis en 84. Et son père, qui est avocat et qui s'appelle Autopsie au passage, met une annonce dans le journal afin de faire venir le diable, puisqu'il se pose des questions quant aux notions de bien et de mal. Et le diable arrive, sous le nom de Sal, qui est un garçon, un adolescent, et on va suivre l'amitié entre le personnage principal, son frère, ainsi que d'autres personnages, dans cette ville, et on va vraiment suivre un drame familial qui va poser le doigt sur tous les problèmes que rencontrent les États-Unis au niveau des discriminations. C'est-à-dire qu'on va parler à la fois de la place des populations noires, du racisme, de l'homophobie, de l'homosexualité de fait, de la violence psychique qu'il peut y avoir, des relations entre les êtres humains. On va bien sûr développer tout ce qu'il y a à voir et à concevoir dans les notions de bien et de mal. On va voir à quel point l'être humain et quelqu'un de cruel, à quel point sa nature est vile et à quel point on essaye de s'en sortir au milieu de toute la terreur qui est au sein des sociétés et qui est contractée par les sociétés elles-mêmes. Excusez-moi si la caméra a bougé, je n'avais plus de place sur ma carte SD. Je disais donc, il y a une alternance entre le narrateur, ses pensées et ses souvenirs et la personne qu'il était en 84 et qui a vu le drame à devenir, drame dont je ne vous révèle rien bien évidemment. On va être questionné quant à la notion de réalité entre ces souvenirs
Ça va limite frôler le réalisme magique à certains instants, et on se demande ce qui est vrai ou ce qui n'est pas, mais quoi qu'il en soit, elle tisse un portrait tellement réaliste et véritable, à mon avis, vraisemblable en tout cas, des pensées états-uniennes très fermées. Ça va être bien plus que ça, puisqu'avec cette histoire intime, personnelle et de famille, on va tisser l'histoire états-unienne. Et c'est un roman qui est absolument brillant, très entraînant, et je ne peux que vous conseiller soit de les lire, soit de l'écouter. Et c'est assez fou, et je suis très agréablement surprise, étant donné que je pensais pas accrocher du tout avec la plume de Tiffany McDaniel. Je ne sais pas pourquoi j'avais cet a priori, mais au contraire, ça m'a vraiment beaucoup plu. Le prochain livre audio que je compte lire, il s'agit du livre de Éric Chacour. Je ne me rappelle plus très bien du résumé et ça me suffit amplement. J'ai envie de m'y plonger sans vraiment m'en rappeler. J'ai continué Jane Eyre hier, j'ai bien avancé et je suis à 200 pages environ. J'espère arriver à 250 ce soir, comme ça je serai à la moitié. Et puis je pourrai avancer petit à petit avant d'entamer de prochaines lectures dans un corpus bien spécifique. Sur ce, je vous laisse. Je ne venais que brièvement pour vous faire mon retour sur cette lecture, sur cette écoute. Et puis, on se retrouve dans les prochains plans. Je vous reprends, nous sommes le 27 janvier, je viens clôturer ce vlog et vous parler de l'avancée que j'ai faite dans toutes les lectures que j'ai effectuées durant cette semaine. Je ne vous ai pas pris hier et ce matin tout simplement parce que j'avais des rendez-vous médicaux et que ce n'était pas forcément le contenu qui pouvait vous intéresser. Quoi qu'il en soit, j'ai avancé dans Jane Eyre. Oui, j'ai avancé dans Jane Eyre et il faut qu'on parle. Il faut vraiment qu'on parle parce que je suis arrivée à la moitié. Et il y a deux soirs de ça, donc jeudi soir, j'ai lu un chapitre avec une concentration autour des sentiments de Jane Eyre qui commencent à se créer envers le maître de maison qui est Monsieur Rochester, chez qui elle réside. Je ne peux pas supporter cet homme. C'est un odieux connard qui est imbu de lui-même et qui a un dédain assez foudroyant envers toutes les personnes qu'il a autour de lui. C'est-à-dire que c'est un homme de bonne société, qui a une classe plutôt élevée. Déjà, il a un dédain envers sa fille, c'est-à-dire Adèle, donc la gamine que Jane Eyre garde. Et il a un rapport avec Jane Eyre qui est dans une tension entre amour-haine et différence de classe sociale, donc c'est très bien parce que Charlotte Brontë met vraiment l'accent sur les différences de classe, et ça je vais y revenir, mais ce personnage est si insupportable, et ce qui me pose question, c'est quand même que je sens poindre l'histoire d'amour entre les deux, et que j'ai du mal à cautionner le fait que deux êtres aussi diamétralement opposés au niveau de la déontologie puissent se retrouver à un instant. C'est-à-dire que Monsieur Rochester, c'est un homme de la haute société qui fait une réception avec des gens qui sont quand même relativement haut placés et qui est
le personnage principal de cette micro-société très bourgeoise et que avant que ses hôtes n'arrivent, il portait grande attention à Jane Eyre. Au début de l'arrivée de ses hôtes, il lui portait encore de l'attention. Et qu'à partir du moment où une femme de la bonne société arrive et commence à lui montrer de l'affection, il détourne totalement son attention de celle qui est la nourrice de son enfant. Et de fait, Jane Eyre a une position, ou du moins est représentée comme la jeune première très naïve, qui commence à se remettre en question face à la beauté et au luxe de la femme que Monsieur Rochester convoite. Jane Eyre, suite à l'arrivée de cette femme, commence à s'interroger sur sa propre position, sa propre vision et son propre physique. Et on voit cette opposition entre les femmes qu'on a toujours théorisée comme étant faite d'ego et de rivalité entre le même genre, et il y a un moment où ça m'énerve. Alors vous me direz, c'est un classique, c'est logique. Mais en fait, ce qui me pose d'autant plus question, c'est que ça a été écrit par une femme et qu'elle a voulu renverser les convenances, je pense, à travers ce récit, et montrer aussi, mettre l'accent sur ce qui allait pas dans les rapports humains et les rapports de classe. Donc ça, je note et j'en suis réjouie. Mais il y a un bémol que j'arrive pas à théoriser plus amplement, mais il y a quelque chose qui me dérange. Et pour vous dire, il y a deux soirs de ça, du coup, j'ai refermé le livre en étant énervée. Et hier soir, j'ai utilisé un des grands post-it que j'avais acheté, que je vous avais montré dans un autre vlog, et j'ai noté qu'on voit typiquement l'orgueil féminin, mais surtout, il y a une critique donc des différences de classe de l'élite et du précaire, et je ressens de l'empathie pour Jane Eyre, mais c'est comme si on avait voulu la mettre dans une position de victime de fait, que ça soit dès le début, puisqu'elle est orpheline et qu'elle est élevée par sa tante on ne peut plus désagréable, tante qu'on apprendra à aimer dans le futur du livre, puisque j'ai dépassé cette partie à l'instant où la tante est sur le point de décéder, mais ça, je vais pas tout vous expliciter non plus. Mais c'est vrai qu'elle fait des personnages tellement désagréables que j'ai du mal à ne pas être énervée quand je lis. Là, c'est bon, je viens à peine de toucher la moitié de ce livre, donc il sera pas terminé dans ce vlog-ci, même si j'aurais bien voulu. J'avance tranquillement et puis je verrai ce qu'il en est. J'espère quand même que je vais réussir à l'apprécier jusqu'à la fin, parce que sinon ça va m'embêter quand même, puisque j'ai l'impression que tout le monde l'a adoré. Mais pour le coup, Unpopular Opinion, Rochester, je ne peux pas me l'encadrer. Ensuite, dans un plan précédent, vous avez dû voir que hier soir j'avais envie de changer un petit peu d'air et j'ai donc entamé Ma maison en fleurs de Pauline Bilizari que je lis dans le cadre de la vidéo qui viendra bientôt, je vais pas y revenir. Et c'est un recueil de poèmes que je trouve très très beau, c'est de la poésie contemporaine. Déjà j'adore la couverture et je me suis rendu compte que c'était elle-même qui l'avait réalisé, donc elle a tous les talents. Et j'adore les illustrations qui sont à l'intérieur. C'est chapitré, il y a 4 parties, et là je suis donc dans la première partie, j'ai lu que 50 pages, mais c'est dans la partie incendie. Et à chaque début de partie, on a des illustrations de ce type. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Alors trigger warning, ça parle à la fois de dépression, de suicide, de TCA. C'est moins explicite que si c'était noté dans une phrase plus développée dans un roman, mais effectivement il y a des thématiques qui touchent et qui sont parfois très compliquées à gérer. Donc je vous préviens de fait, mais c'est un ouvrage que j'apprécie depuis le début de ma lecture. Ensuite, je vais vous en reparler, mais je l'ai terminé il y a quoi, il y a 3 jours, et j'ai encore L'été où tout a brûlé en tête. J'ai du mal à ne plus penser à cet ouvrage. Le matin, quand je me lève, après avoir lu un petit peu, je mets un livre audio. Les jours précédents, c'était donc L'été où tout a brûlé. Et là, j'ai repris Le miroir d'ambre, donc le 3e tome de À la croisée des mondes, mais c'est pas la même chose. J'ai pas envie d'y retourner, je n'ai pas hâte de me lever pour l'écouter comme c'était le cas avec le Tiffany McDaniel. J'ai pas l'habitude de m'attacher à des personnages, c'est pas du tout quelque chose qui m'arrive souvent. Et là, j'arrête pas de penser notamment au personnage qui est donc le diable dans le roman. J'aurais tellement aimé pouvoir continuer à les suivre. C'est fou parce qu'elle développe beaucoup de thématiques hyper importantes et à la fois elle arrive à nous mettre en empathie avec ses personnages. Et il n'y en a pas un que j'ai moins aimé que l'autre, je crois. Il m'a touchée, il m'a transportée avec lui, il m'a fait me poser des questions, vraiment, que ça soit en audio ou même à l'écrit, je pense. Je peux que vous le conseiller, quoi. C'est un livre qui reste. Je sais pas si ça sera un coup de cœur pour l'année 2024, mais là, après lecture,
Il me reste encore en tête et j'ai passé un moment tellement délectable que c'est un peu compliqué de retrouver un truc qui se mette à la hauteur. Sinon, niveau livre audio, donc, comme je vous le disais, j'ai avancé dans le Pullman. En fait, j'apprécie cette série, mais j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 était en deçà, je vous en parlerai puisque je l'ai réécouté au début du mois de janvier, mais il y avait trop d'axes sur à la fois la piraterie et les batailles, et ça c'est un truc qui m'a vraiment énervé, c'est vraiment pas ce que j'apprécie lire. Et dans le troisième, il y a à la fois ce que j'appréciais dans le premier et ce qui m'a déplu dans le deuxième, et ça a mis tellement de temps à se mettre en place. Là ça commence à me plaire petit à petit, mais ça a mis son temps, et j'avoue qu'il est tellement long. Là je l'ai en format papier, parce que j'ai commencé le livre audio parce que je retrouvais plus le livre papier à l'époque où je voulais m'y remettre. Comme vous voyez, je suis vraiment à la moitié. C'est bête, mais j'ai hâte que ça se termine. Donc je le lis parce que j'ai vraiment envie de terminer cette trilogie. Mais je suis un peu déçue, finalement, parce que je l'avais beaucoup aimé quand j'étais gamine. Dernière chose, en livre audio, j'ai commencé No Hard Feelings, qui est un livre en anglais qui n'est pas traduit, il me semble. J'écoute jamais des livres audio en anglais, et je me suis dit que j'allais mettre le petit défi d'essayer de le faire. Et j'ai commencé ce matin, je suis vraiment au tout début, j'ai écouté quoi, 20 minutes. On va suivre la personnage principale, qui a une vie vraiment pas reluisante. C'est-à-dire que c'est une londonienne dans la fin de sa vingtaine. Elle est en relation plus ou moins libre, elle est en sex friend avec le personnage de Max, qui est vraiment a dickhead, comme il dirait. Il veut pas avoir d'attache, tout ça. Et elle, elle s'en accommode, mais ça la saoule quand même. Donc elle enchaîne les dates, Tinder, ses amis essayent de lui faire rencontrer des gens. Il y a jamais la petite étincelle qui ferait que elle a un métier qui lui plaît moyennement. Voilà, elle a pas une vie hyper plaisante, et je pense que ça va quand même rejoindre beaucoup le Dolly Alderton que je viens d'acheter. Ça va poser les mots sur la désillusion de la vingtaine, après s'être rendu compte que c'était pas les plus belles années de la vie qu'on avait à passer. Et de ce que j'ai vu du résumé, ça va osciller entre les livres de Dolly Alderton ou Sorrow and Bliss, et ça va vraiment être très cynique quant à cette période-là. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle fait mention des rues de Londres, et c'est une ville dans laquelle j'adorerais retourner et que j'adore en règle générale. Et ça a ce petit humour piquant à l'anglaise que j'apprécie relativement. Par contre, il y a des phrases, mais il y a des phrases. J'étais dans le premier chapitre ce matin, parce que je l'ai commencé tout à l'heure, et elle disait, en parlant de Max, du coup, le type qu'elle fréquente, « Ce n'était pas humain d'être aussi beau que ça. Non, tu... non !» Non, s'il te plaît, je sais que tu as une vie nulle, que tu es totalement éprise de cet homme, mais s'il te plaît, arrête. C'est juste des petites phrases comme ça qui me dérangent un peu, mais sinon, le cynisme anglais me fait rester. J'ai envie de me faire ce défi, vous serez informés quand il sera terminé, si je le finis un jour. Et voilà pour ce qui en est de ce que j'ai commencé. Là, j'ai encore pas mal de choses à lire, donc je vais m'arrêter ici pour vous en parler. De toute façon, vous aurez le bilan culturel du mois de janvier, normalement le week-end prochain, si j'arrive à bien gérer la chose. C'en est tout pour ce vlog, je pense. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao !